Avant, on va se pencher sur ce mois d'octobre où généralement on focalise sur le cancer du sein, les cancers gynécologiques. On y reviendra d'ailleurs dans l'émission. Mais avec notre scientifique de la bande, aujourd'hui, on va parler des avancées en matière de découverte autour du cancer et notamment des animaux qui sont réfractaires au cancer. Oui, qui intéressent beaucoup les chercheurs. Alors en fait, le cancer, on peut le regarder en étudiant les cellules et en essayant de comprendre les mécanismes à l'intérieur des cellules, mais les chercheurs, ils ont une autre vision et en fait, ils essaient de comprendre l'écologie des cellules cancéreuses. Parce que finalement, dans nos organismes, qui sont constitués de plein de cellules qui doivent se coordonner et travailler entre elles, le cancer, finalement, c'est une cellule qui se met hors la loi et qui dit, à partir de maintenant, je ne vais plus respecter les règles de vie en communauté. D'accord. Donc, ouais. De ce point de vue, c'est tout à fait fascinant. Ouais. Et du point de vue de l'évolution, une autre chose que les chercheurs ont comprises, sont en train de comprendre et d'essayer d'explorer, c'est qu'on a trouvé des fossiles de cancer, donc c'est aussi vieux que la vie multicellulaire, et donc ça fait des milliers et des milliers d'années d'évolution de vie et de cancer. Or, une tumeur, quand elle se développe dans un organisme, elle n'a que quelques années pour inventer les mécanismes de destruction. Donc, de ce point de vue, c'est très compliqué de mettre en balance les millions d'années d'évolution de la vie et les quelques années pour lesquelles les tumeurs doivent inventer des mécanismes pour pouvoir se développer. Alors, vous dites qu'il existe des espèces vivantes, des animaux, qui sont complètement réfractaires au cancer, qui ne développent jamais de cancer. Et sur lesquels, justement, on essaye de découvrir ou d'explorer ces paradoxes que je viens d'expliquer. Et ça donne beaucoup d'espoir. Donc, en fait, la principale espèce pour laquelle on avait remarqué qu'il n'y avait pas de cancer, c'est le rat taupe nu. Donc, c'est une espèce d'affreuse bestiole qu'on voit là, qui est très, très laide, mais qui a fasciné les chercheurs depuis un moment, parce qu'en fait... Je comprends que le cancer ne s'y attique pas. C'est une bête africaine qui vit dans des terriers et qui est un rongeur. Donc, mettons ça en parallèle. Les souris, qui sont des rongeurs, ne vivent que quelques années. Le rat taupe nu, il vit entre 30 et 40 ans et il ne développe jamais de tumeur, malgré cette longévité exceptionnelle. Donc, comment ça se fait? Alors, un des mécanismes qui a été identifié par les chercheurs, c'est que comme il doit creuser, il a besoin d'avoir une peau extrêmement résistante. Et du coup, il a inventé un espèce de ciment intercellulaire ultra souple et résistant qui pourrait empêcher les cellules cancéreuses de s'agglomérer pour former une tumeur. Wow. Donc ça, c'est évidemment une piste très prometteuse pour la recherche. Vous parlez de tumeurs, mais il y a aussi des hypertumeurs. Alors, on imagine ce que ça peut être. Alors, les hypertumeurs, donc il y a une autre espèce qui... je vais parler des hypertumeurs dans un instant. Il y a une autre espèce qui résiste particulièrement au cancer et dont on pourrait imaginer que ce n'est pas logique non plus. C'est l'éléphant. Très gros animal, donc il a plein de cellules. Donc, on pourrait se dire qu'il a plus de cancer que les autres. Parce que sur autant de cellules, il y en a bien qui veulent être en Eh bien, en fait, non. Alors lui, comment il a fait? Il a trouvé le moyen de multiplier les gènes qui lui permettent de résister aux cellules cancéreuses. Et donc nous, par exemple, on a un exemplaire d'un gène qui nous permet de résister à la leucémie. L'éléphant, il en a 10 exemplaires. Okay. Donc 2 qui fonctionnent, 8 qui sont non fonctionnels. Mais quand même, 2 qui fonctionnent, c'est toujours deux fois plus de résistance que nous. Et puis donc cette histoire d'hypertumeur, c'est une théorie qui est en train d'émerger qu'on a découvert chez la baleine bleue. Donc la baleine bleue, c'est le plus gros organisme vivant sur Terre, enfin le plus gros animal, disons. Et en fait, cette baleine bleue, c'est un mécanisme immunitaire qui lui permet de résister au cancer, donc encore totalement une autre voie de défense. Et en fait, elle désactive ses défenses anti-cancer quand elle développe une tumeur, ce qui fait qu'on a une espèce d'hypertumeur. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et en fait, ça détruit, elle développe des tumeurs à l'intérieur de la tumeur qui détruisent la première tumeur et qui l'empêchent de progresser. Vous avez compris, Olivier? C'est très complexe. Parce qu'on est plus littéraire, nous, que scientifique. Mais quand même, c'est assez phénoménal. Ah ben, les ennemis sont mes amis. Oui, voilà, c'est quelque chose qui devrait au départ détruire, finalement, ça s'additionne pour être. Et donc, ça, c'est une piste très, très prometteuse pour la recherche sur des thérapies anti-cancer chez l'homme, évidemment. Ben, merci beaucoup d'être venu avec votre petit baluchon d'espoir ce matin. et en parlant de cancer, on reviendra sur cette.
événements octobre et en tout novembre au long aussi, d'octobre. Parce qu'après, il y a Movember. Il y a November. Ça, c'est Movember, c'est pour les cancers masculins cette fois. Pour Octobre Rose, on reviendra dans l'émission pour vous parler de ces événements festifs et sportifs pour faire la promotion de la prévention. Merci beaucoup.